Les défis de santé publique sont en effet parmi les défis majeurs de cette décennie, avec le vieillissement de la population et le boom des maladies chroniques, avec probablement d'ici 2030 50% de patients chroniques âgés de plus dans les pays européens. Et pour relever ces défis, on a besoin à la fois d'innover en pouvant proposer des prises en charge, d'accompagnement au plus près de là où vivent les personnes. Et très clairement, public et privé ont un rôle conjoint et partenarial à jouer, qui soit capable de mettre en réseau les soignants et d'accompagner en qualité et dans la durée les patients, et de leur proposer une vraie liberté de choix dans la prise en charge de leur pathologie. La première loi sur la question du vieillissement de la dépendance date du milieu des années 95. Tous les 3 ou 4 ans, le Parlement se penche sur la question de l'accompagnement des plus âgés, des aînés et sur l'ajustement des dispositifs. Mais je crois qu'on a avant tout besoin de politiques de ressources humaines. Je m'explique, il y a aujourd'hui à peu près 1,4 million de soignants en France. Et compte tenu des enjeux démographiques et des enjeux de santé publique, il faut probablement prévoir d'avoir plutôt 2 millions de soignants d'ici 2030. Ça veut dire à la fois évidemment remplacer ceux qui vont partir à la retraite, mais surtout former en nombre. Et je crois que la première des questions à se poser, c'est ensemble de définir ces moyens, de travailler sur les structures de formation pour être capable de répondre à ce défi qui est un défi de ressources humaines. Corian, c'est aujourd'hui près de 60 000 salariés à travers 7 pays européens, essentiellement des professionnels de la santé, 70% de soignants, beaucoup de femmes, 85% de femmes. Nous sommes à la fois une entreprise de personnes au service de personnes, donc une entreprise de ressources humaines, mais avec toute une dimension de recrutement et de formation. Compte tenu de notre croissance, nous développons autour de 10% par an. Compte tenu aussi des besoins nouveaux d'accompagnement en santé, la question des métiers, du développement des ressources humaines, du développement des compétences, du recrutement est au cœur même de nos politiques. Et très concrètement, ça passe par deux dimensions. D'abord, nous sommes une entreprise apprenante avec aujourd'hui près de 10% des collaborateurs qui sont engagés dans une formation qualifiante. La deuxième des dimensions, eh bien, c'est de prévoir l'avenir, c'est d'être capable, année après année, eh bien, de faire venir chez nous les quelques 10 000 collaborateurs qui nous rejoignent. 5 000 à travers ces structures de formation propres à l'entreprise et puis 5 000 qui viennent du marché du travail.